Donc tu t'apprêtes à terminer ton année de première spé physique chimie et tu te demandes si ça va bien se passer pour toi en terminale spé physique chimie. Peut-être t'as entendu parler de cette matière, mais on t'a dit que c'était plus dur, on t'a dit aussi que les chapitres étaient plus costauds, que le programme était plus dense, peut-être aussi que t'as vu des élèves de terminale qui ont galéré sérieusement en mécanique. Et maintenant tu te demandes, est-ce que je vais réussir à gérer ça tout seul? Et moi je te dis direct, bien sûr que tu peux y arriver, bien sûr que c'est possible. Tu peux tellement prendre des bonnes notes en physique chimie terminale que ça peut carrément se refléter sur ton dossier Parcoursup. Est-ce que tu connais les escape games? Parce que pour moi en fait l'aspect physique chimie en terminale c'est comme un escape game. Les épreuves à résoudre c'est tous les contrôles interro, bac blanc que tu vas passer au cours de l'année. L'épreuve finale, bah c'est ton épreuve de bac au final au mois de mars. Et le timing c'est de septembre jusqu'à mars, jusqu'à ce que les notes s'arrêtent pour Parcoursup. Par contre, contrairement à une partie d'escape game que tu fais le samedi entre amis pour le plaisir, là il y a un vrai enjeu. L'enjeu cette fois-ci il est réel. Si tu fais une bonne année en physique chimie en terminale, si t'as des bonnes notes, ça va se refléter comme je t'ai dit sur ton Parcoursup et ça va pouvoir t'ouvrir beaucoup de portes et en particulier les portes vers les voies d'orientation que tu aimerais bien faire. Et par contre, si tu échoues partiellement ou totalement l'aspect physique chimie en terminale, il se peut que ça te ferme énormément de portes aussi. Bon, en gros, moi, cet escape game, je le connais par cœur. Les énigmes, les pièges à éviter, les raccourcis. Je connais tout par cœur parce que je le pratique tous les ans avec plein d'élèves. Tous les ans, je me plonge dedans. Tous les ans, je le fais, cet escape game. Et tous les ans, j'améliore un peu plus la méthode d'évasion. J'améliore la technique, j'améliore les astuces, j'améliore les raccourcis. Donc imagine si je te faisais découvrir une grosse partie de ce game avant même que le jeu démarre en septembre. En gros, imagine que je te spoil la plus grande partie de cet escape game avant que ça démarre. Bah, c'est exactement ce que je vais te proposer pour l'été, un petit programme léger qui va te permettre de désamorcer toutes les difficultés sans gâcher ton temps de vacances. Déjà pour commencer le programme, je vais t'équiper, je vais te donner l'accès à mon double pack qui contient toutes les vidéos synthèses de cours de spé physique chimie terminale et toutes les vidéos corrections d'exo bilan d'exercices de spé physique chimie terminale, des exos type bac, type interro, type contrôle. Il y a plus de 20 vidéos synthèses de cours, c'est comme les vidéos que tu as déjà vues sur ma chaîne YouTube. Il y a plus de 100 corrections de vidéos d'exo bilan. Donc ce pack, tu vas y avoir accès dès le début de l'été. Ensuite, chaque semaine, à partir du 4 juillet, je vais te donner une mission. Je vais te demander de regarder une des vidéos synthèses de cours contenues dans le pack. Je t'indiquerai laquelle, évidemment. Ce sera une heure de boulot perso, maximum. Une heure maximum par semaine. Et en regardant cette vidéo synthèse, je vais te demander de commencer à prendre des notes sur tes blocages, tes difficultés, tes incompréhensions. Ensuite, 7 jours plus tard, on se fait un petit point sur Zoom, séance d'1h30 avec tous les élèves du programme. Et ensemble, on discute des compréhensions du cours, des uns et des autres, on discute des difficultés des uns et des autres, on se pose des questions, on essaie de mettre en évidence les liens avec le programme de première spé physique chimie et tout le monde pose sur la table ses difficultés et tu vas voir que en général tous les élèves rencontrent les mêmes difficultés, les mêmes questionnements, les mêmes blocages sur un chapitre donné. Et la semaine suivante on remet ça, donc en gros on va faire 9 séances jusqu'au dimanche juste avant la rentrée de septembre. Pendant ces 9 séances on va pouvoir travailler sur les plus gros chapitres, ceux qui vont peser le plus sur les deux premiers trimestres de terminale, ceux qui vont peser le plus dans ton programme de spé physique chimie pour Parcoursup. Et en gros tu vas démarrer ton année de spé physique chimie terminale en sachant exactement à quoi t'attendre en physique chimie, à quelles difficultés t'attendre. Donc en gros on a tout désamorcé. Mais attends, c'est pas fini. Avec ce programme que je te propose, tu vas également avoir accès à un groupe de discussion privée entre moi et tous les élèves du programme. Et ce groupe de discussion, tu vas y avoir accès pendant toute ton année de terminale. Ça veut dire que sur ce groupe de discussion privée, tu vas pouvoir poser régulièrement tes questions, on va pouvoir tous communiquer les uns avec les autres, d'autres élèves vont pouvoir te répondre et moi aussi je vais pouvoir répondre et apporter des clarifications, apporter des explications encore plus claires. Et ça c'est un groupe VIP. Et pour finir, je reviens sur ce que je t'avais dit tout à l'heure. Tu te souviens, en début d'été, je t'ai équipé avec le double pack. Le double pack qui contient toutes mes vidéos synthèses de cours spé physique chimie terminale et toutes les corrections vidéo d'exo bilan de physique chimie terminale aussi. Et en gros, tu vas pouvoir savoir quoi réviser avant chaque contrôle. Avant ton premier contrôle qui aura lieu à peu près vers le 20 septembre de ton année de terminale, tu sauras exactement quels exercices faire et à quoi t'attendre pour ton contrôle. Donc en gros, tu vas propulser tes notes dès le début de l'année. Sans attendre, il n'y a pas besoin d'attendre. Si tu veux un bon dossier Parcoursup, t'as pas besoin d'attendre dès le début de l'année, dès les premiers contrôles interro DS, faut que t'aies des bonnes notes. Et là, c'est ce qui va se passer parce que tu vas savoir exactement sur quel type d'exercice réviser. Alors oui, ça c'était la cerise sur le gâteau, les corrections d'exobilan. Mais si comme moi, t'aimes bien quand il y a deux cerises sur un gâteau, t'es gourmand, hein. Alors on va mettre une deuxième cerise. Et la deuxième cerise, c'est que je vais aussi te donner accès avec ce programme à toutes mes fiches de révision de spé physique chimie terminale. Il y a 21 fiches, ça tu vas y avoir accès dès le 4 juillet en fait. Ça fera partie de ton équipement. Et voilà comment on va plier le game ensemble. Cet escape game, on va le plier. Tu vas arriver en terminale en moins
mois de septembre, tu vas savoir exactement ce que tu vas devoir faire tout au long de ton année pour réussir la physique chimie. Tout simplement, et tu vas réussir. Bien sûr que tu peux réussir, suffit juste que tu aies le mode d'emploi, c'est tout. Et le mode d'emploi, je vais te le donner tout simplement. Alors si t'es chaud, la prochaine étape qu'il faut faire, c'est que tu ailles sur mon site internet, le lien est en description. J'organise plusieurs sessions Zoom, tu vas voir, elles sont toutes listées, tu peux t'inscrire sur l'une des sessions Zoom, comme ça on va pouvoir discuter ensemble de vive voix, tu vas pouvoir me poser tes questions si tu as des questions précises sur le programme. Ensuite, si t'es vraiment chaud bouillant, bah t'as plus qu'à t'inscrire dès à présent. Alors petite précision, pour ce programme, je vais prendre 30 élèves maximum. Allez, sur ce, prends soin de toi, motivation et à très bientôt. Ciao.